Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège, programme marocain. Alors, on revient à notre série Attention et aujourd'hui, on va faire un petit exercice de prononciation. Et je m'adresse surtout aux élèves qui ont des difficultés de prononciation. Alors, pourquoi ça? Parce que la prononciation est très importante pour la compréhension. Surtout dans la communication et aussi lorsqu'on lit un texte. Donc, les élèves qui ne prononcent pas bien doivent faire attention. Et puisque nous sommes en vacances, donc vous allez essayer, à chaque fois que je vous donne un exercice de prononciation, de vous entraîner à la maison. Parce que la prononciation, ça vient avec la pratique, avec la répétition, avec l'exercice. Bien, alors aujourd'hui, on va voir deux sons qui se ressemblent d'ailleurs. Ils sont différents, mais ils se ressemblent pour certains. Alors, le son « en » et le son « on ». Et vous voyez bien, vous regardez bien ma bouche. « En » et « on ». Ce n'est pas la même forme de visage, ce n'est pas la même forme de lèvres. Oui, alors « en » et « on ». Il faut bien distinguer. Alors, en, phonétiquement, ça s'écrit comme ça, en, ou bien on le trouve avec an, ou bien avec en. Donc, à chaque fois que vous trouvez des mots qui contiennent les lettres, ou bien les syllabes an et en, vous devriez prononcer en, avec la bouche un peu légèrement ouverte, mais n'est pas ronde. En. Et lorsque j'ai la lettre on, c'est, ça s'écrit comme cela phonétiquement, ça s'écrit on. Et là, c'est on. En, on. Donc à la maison, vous devriez vous entraîner. Vous regardez la glace, le miroir, et vous vous entraînez. Et je suis sûre que vous allez y arriver. Alors les mots, on a ici quelques mots. Brillant, là c'est avec an. Sans, an. Savant, sans, tante, étant, tante, pente, enfant. Donc, vous allez essayer de répéter ces mots et vous cherchez d'autres mots à la maison et vous allez vous entraîner. Rond, son, ton, pont, potion, notion, éducation, fonction, permission. Alors, j'espère qu'on a distingué les deux sons, en et on. Plus jamais de faute et je vous conseille de vous entraîner. Vous lisez des mots qui contiennent les sons en et on et vous essayez de lire un texte dans lequel il y a des mots et vous faites attention. En arrivant à ce mot, vous faites attention à votre prononciation. Prononciation. Vous y êtes. À la prochaine fois.